Ouais, je vous nettoyais parce que cette caméra n'a pas servi depuis bien longtemps, mais elle est de retour, la caméra de vlog. Say hi. Oh, mon miroir, il est dégueulasse. Les gars, on petit vlog parce que je vais au LFL Days demain avec la team Vitality. Il y aura toute la team, les gars, Vitality, sauf Chipset. Je laisse les loulous à mes voisins. Du coup, ils récupèrent leur chien et Gare Driver pendant 2 jours. Et après, je regarderai Tacos parce qu'ils sont pas à la fin de semaine. Donc voilà, je vais vous expliquer le petit truc, c'est trop bien. Avec mes voisins, on s'entend trop bien, on se garde les loulous entre nous et c'est trop pratique. Et voilà, je viens de faire ma valise avec mon nouveau meuble qu'on a monté hier en stream. 4h au lieu de 2h. Pas sûr si je dois le dire ça. J'ai cette petite pochette maintenant où je vais ranger ma caméra de vlog. Ça va être très pratique. Regardez aussi le panier pour mon chien. Les gars, j'ai pensé à tout pour Vitality jusqu'au chouchou jaune s'il vous plaît. Bon, je me pose un peu avant de partir, je pars dans 5 minutes environ, je vais commander un Uber. Petit planning du coup, je vais vous dire, demain on commence par un shooting, ensuite on va manger avec la team Vita, ensuite on a une activité surprise, on sait pas ce que c'est, et le soir on a les LFL Day et une soirée, voilà, et le lendemain on repart. Je sais pas si je vous l'avais dit, donc voilà, le planning de ma journée de demain. Et mon chien qui est triste que je parte, il veut pas me lâcher. Pour la petite anecdote, à chaque fois que je laisse mon chien chez les voisins, il s'amuse à aller sur le petit muret et aller chez les voisins comme un chat en fait. Et il a encore fait ça dès que je suis partie aujourd'hui. Mon voisin a dû le récupérer, comme j'ai fait un autre jour sur la vidéo à gauche. Putain les gars, les galères commencent. J'ai un Uber qui a annulé la course. Il faisait que tourner en rond autour de moi. Je pense qu'il n'arrivait pas à trouver où j'étais. Il m'a appelé et il a annulé sans prévenir. Comme ça. Et là, il est 35. J'ai mon train à Écaf. Et ça fait 10 minutes que je ne trouve pas d'autre Uber. Je suis dans la merde. Je stresse. À l'aide. Bon, petit update de la situation, je dois prendre la voiture parce qu'il y a le deuxième Uber qui m'a dit d'annuler la course parce que c'était trop loin. Il n'a pas voulu l'annuler donc j'ai pas pu trouver notre Uber, donc là bah, c'est la course, je dois y aller en voiture, je vais payer le parking je sais pas combien. Vive les Uber. Bon, du coup, j'ai un Uber qui a annulé, un autre qui veut pas venir, j'arrive à la gare. Je me dis bon c'est chaud et tout, je me bouge, je cours et tout ça. J'oublie mon téléphone dans la voiture, du coup je dois remonter. Je redescends et regardez ce que je vois. Mon train qui a 40 minutes de retard. Un plaisir. Je suis enfin arrivée à l'hôtel les gars, c'était une horreur ce trajet. Je suis fatiguée, là je viens de me commander une pizza parce que j'ai très très faim. Petite chambre, ça se présente comme ça. Et la salle de bain. Mais c'est petit mais c'est cute, j'aime bien. Bon, c'est une chambre d'hôtel normale quoi, pas... mais c'est même pas petit, qu'est-ce que je raconte. Avec plein de... Franchement l'hôtel est trop cool, j'adore l'ambiance. Yo les gars, je suis fatiguée, je me suis endormie à 3h du matin, non, oui si 3h du matin alors que je devais me lever à 9h. Et je me suis réveillée 4-5 fois dans la nuit parce qu'il y avait la chambre d'à côté qui faisait que de parler, bouger, aller dans le couloir, taper les portes. Je suis KO exténuée, mais bon là il faut que je me dépêche parce que j'ai rendez-vous à 9h et à 10h et qu'il est 9h54 et j'ai 10 minutes de route, enfin à pied. Donc j'y vais. Bonne arrivée à la VI, à tout le monde. Au VI. Au VI, purée. Tu sais qu'à chaque fois on me reprend. Mais non, c'est AVI. C'est AVI. C'est AVI. C'est OVI. Voilà, on est d'accord. Wendo, elle a dit c'est AVI. On dit AVI. Mais attends. C'est AVI. Quand Gwendo n'est pas là, c'est fine. Quand elle est là, on respecte. On a la mascotte, Kutis. Ah ouais? Ah ouais, j'avais jamais fait. C'est beau hein, réaction. Franchement c'est cool. Ah c'est le shop là, regarde là elle qui essaye déjà de... C'est ici qu'on gratte. Oh j'ai failli tomber. Salut. T'as vu qui aujourd'hui? Florian en fait. Non, je te connais. Et est-ce qu'on peut boire s'il vous plaît? Ah non désolé. Ah non. Je
OMG, on va bien manger. On va se rendre à l'activité surprise que Vitaï nous a fait. Bon, je vais pas vous mentir, en fait j'ai réussi à avoir des petits indices. Apparemment, on va, vous savez, l'activité ça va être, vous savez, les gros tubes qui mettent de l'air et qui nous font voler. Et bien voilà, on va faire ça, ça va être trop trop cool. On avait parlé de plaies après avoir mangé les couilles. Et voilà ce qu'on va faire. C'est à nous, on y va, j'ai trop hâte. Vous avez pas de Je suis en double vlog. Je fais la badass un peu là. Attends, mais c'est quoi ce... La badass avec ça? Ouais. Avec les lunettes surtout. Attends. Là, ça c'est très badass de faire comme ça. Avec le casque sur entre les gens. Oh, j'avoue, la pose. Bon, du coup, on est toutes apprêtées, enfin tous plutôt, apprêtées et on va faire. On va rentrer dans ce tube là. Ça va être bien, moi en vrai, j'ai déjà fait donc c'est cool. Oh putain, elle gère. Attends. Je vais voir ta gueule. Elle gère. Interview, t'as kiffé? Oui, c'était trop bien. Ouais, on lui, il est trop fort. Lui, beaucoup trop fort. J'avais déjà fait une fois. Ah oui, attends. Ah, beaucoup moins. Beaucoup moi, moins. Moi, je crois que c'était pas mal aussi. Hein. Ouais, toi, tu vas sur le côté là. Là ouais. C'est les choses. Là. Non, mais lui, il tournait tout seul à croire qu'il allait monter et descendre tout seul quoi. Ils sont mips. Il y en a, ils sont plus à l'aise que nous. Ouais. Vous avez kiffé, vous? Est-ce que t'as interviewé celui qui a perdu sa chaussette? Ah, sa chaussure. Attends, ouais. sa chaussure. Montrez lui. Regarde, il est là. Ce monsieur là. Petit détour à l'hôtel pour prendre une petite douche et après on décolle pour la LFL. J'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Les gars, je viens de me faire piquer par une guêpe. À qui? Ouais, je félicite à tous les ambassadeurs. Ça fait quoi d'être un loser? Vive Cacor. Et être un loser, ça fait quoi? Vive Cacor. T'es éclaté au sol. Vive Cacor. Nul, les losers.